notre bilan de début de saison, il est plutôt positif dans le sens où, on propose un jeu qui est assez sympa et surtout où on est hyper content, c'est qu'on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble depuis le début de la saison. Et il s'avère qu'aujourd'hui, depuis effectivement le début de saison, on joue vraiment les uns pour les autres. Et donc voilà, on prend tous du plaisir, on a tous un rôle important. Il n'y en a pas un plus qu'un autre et c'est une des premières saisons pour moi où l'équipe d'Arles joue pleinement et chaque joueur donne beaucoup, quoi. C'est plus, je pense, dans l'état psychologique où on a pas mal travaillé et voilà, on a envie vraiment, c'est sûrement une des dernières saisons tous ensemble parce qu'on se rapproche un peu de la fin, on est tous un peu vieillissants. Donc du coup, on a envie de prendre beaucoup de plaisir tous ensemble à jouer. Et il s'avère que ce qui se passe sur le terrain, ça se passe aussi en dehors. Et on a remis un petit peu les pendules à l'heure sur ce qui se passait à côté du terrain et ce qui se ressent un peu sur le terrain. Donc voilà, et puis on a envie de prendre un maximum de plaisir. Alors après, peut-être qu'on va perdre, hein. On ne gagnera peut-être pas le titre, il n'y a pas de souci. Mais au moins, on fait tout pour jouer les uns pour les autres et vraiment avec beaucoup d'envie de faire jouer les autres. Moi, j'ai commencé l'équitation à l'âge de 5 ans. Je faisais du CSE, du complet. Et après, à l'adolescence, je faisais du foot aussi, de l'équitation. Et j'ai dû, faute de temps, je devais faire un choix. Et j'ai décidé de continuer l'équitation. Et là, j'ai découvert le horseball. Donc, c'est quelque chose qui était un petit peu normal que je passe au horseball. Je voulais faire du sport co avec un ballon et puis de l'équitation. Donc voilà, on m'a proposé le horseball, j'ai attrapé le virus. J'ai joué 4 ans pour l'équipe de Gif-sur-Yvette. C'était avec des copains d'enfance. Donc ça, c'était top. Et ensuite, on m'a proposé de jouer en Pro Elite avec l'équipe de Châtenay-Malabry. Et donc là, j'avais envie d'aller goûter à la Pro Elite. Donc j'y suis allé, j'ai acheté mon premier choix, c'était Erika. Et donc j'ai joué en Pro Elite et un an plus tard, c'était ma première sélection, mon premier titre en Pro Elite. Donc voilà, je fais 3 ans avec cette équipe, ça m'a beaucoup apporté d'un point de vue expérience et j'ai beaucoup appris. Et après, j'avais envie d'essayer de faire ça avec mes copains d'enfance. Donc je suis retourné aux sources à Gif-sur-Yvette. Et là, on a débuté une aventure qui était assez forte, qui a duré 9 ans avec des copains. Et on a d'ailleurs gagné 2 fois le championnat. Et puis ensuite, au bout de 9 ans, on a fait un peu le tour tous ensemble. Donc voilà, on n'avait pas le même objectif chacun de compète. Il y en a qui étaient un petit peu fatigués, etc. Donc là, moi, j'ai décidé de partir jouer à Arles. Parce que je me retrouvais un peu plus proche. J'étais toujours à fond dans la compète, donc j'avais envie de gagner. Et là, ça fait 5 ans que je joue à Arles et c'est aussi une super aventure. Et voilà, on s'éclate bien tous ensemble depuis 5 ans aussi. Mon cheval s'appelle Samoud, et il a 17 ans, c'est un pur sang. C'est un cheval super sympa que j'aime beaucoup. Ses qualités, je dirais en premier lieu, c'est l'équilibre qu'il a. Qui est assez phénoménal, même quand on va vite, qu'il a à plat, il est encore disponible. Et ça, j'ai jamais eu un cheval comme ça. Après, dans son travail, moi, j'apporte beaucoup d'importance au mental du cheval et à son état physique. Donc, que ce soit psychologique ou mental, donc essayer de plus ou moins... regarder s'il va bien, donc c'est lui faire plein de choses différentes. Il est capable, on peut aller faire du polo, on saute, on fait du horseball bien sûr. Et voilà, c'est assez important. Après, son travail, il travaille sur le plat. Il a un entraînement par semaine de horseball. Après, ça peut être des balades ou des choses. J'essaie au maximum de faire des choses différentes. Après, j'attache beaucoup d'importance, moi, au travail à la longe. Pas forcément pour le travail que ça procure, c'est moi j'ai besoin de regarder mon cheval évoluer quand je suis à terre et regarder comment il va, est-ce qu'il est un peu plus raide d'un côté, etc. Je trouve que le travail à la longe pour ça c'est vraiment bien. Après j'ai quelqu'un qui m'aide énormément pour travailler le cheval qui est ma copine Lisa Baumkarten qui le travaille beaucoup, qui a un niveau équestre
vraiment sympa. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'elle est très importante par rapport au travail du cheval. Et voilà, après moi, c'est, mon cheval c'est comme un de mes meilleurs amis, quoi. Je passe beaucoup de temps avec lui et voilà, c'est très important pour moi, quoi. Je dirais le mot confiance dans le sens où quand on rentre sur un terrain avec cette équipe-là, en se regardant les uns les autres, on a confiance, on se donne une confiance entre nous qui est assez forte. Donc voilà le mot confiance. Je dirais le mot compétition dans le sens où on a vraiment, vraiment beaucoup d'envie. Là, ça fait 2 ans qu'on a été champion. On a, je crois, encore plus d'envie que les années précédentes de conserver un autre titre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort chez nous. Et la troisième, je dirais que c'est la remise en question. Et moi, j'apprécie beaucoup ça dans mon équipe. Et je pense que c'est grâce à ça, en tout cas, qu'on arrive à faire partie du podium depuis quelques années. Parce qu'on se remet beaucoup en question. Nous, on sort d'un match, on ne parle pas forcément des trucs bien qu'on a fait. La première chose dont on va parler, c'est plutôt toutes nos bêtises. Et je pense que c'est un truc qui est assez important chez nous. Mon joueur coup de cœur, j'en ai pas vraiment un. Après, j'ai un idéal de joueur qui se composerait, en fait, pour ceux qui l'ont connu, de Thomas Soub, du fait de son génie technique qu'il avait en technique individuelle, qui était, j'ai jamais vu quelqu'un qui était techniquement aussi fort. Après, un autre joueur, c'était Luc Laguerre, qui était polyvalent à tous les postes et qui a une régularité et qui était assez impressionnant pour ça. Et après, Michael Le Gall, dans sa façon d'être au sein du collectif et de faire jouer les uns et les autres, qui pour moi est dans une équipe hyper importante. J'ai eu la chance de jouer avec ces 3 joueurs-là. Et si un jour il y a un joueur qui arrivait à avoir toutes ces choses, ce serait pour moi le meilleur joueur. Après, bien sûr qu'il y a plein de bons joueurs, mais voilà, moi, c'est ces 3 personnes-là qui m'ont frappé et voilà.